C'est la première de notre journée golf avec une célébrité. Aujourd'hui, j'ai la chance d'aller jouer 9 trous et de passer la journée avec Benjamin Fall. International de rugby, une dizaine de sélections en équipe de France, plus de 40 essais en top 14, joueur de Bordeaux, de Bayonne, du Racing et maintenant Montpellier, et passionné de golf depuis qu'il a 10 ans. Je rentrais en 6e et il y avait le meilleur ami de mon père qui s'occupait de la section golf de mon collège. Et c'est lui un peu qui m'a fait aimer le golf, d'autant plus que j'ai la maison familiale qui est derrière le golf de Saint-Pardon de Conques. Le golf des Graves et du Sauternet. D'accord. Du coup, dès que j'avais fini mes devoirs, je pouvais aller jouer avec Jim, mon ami. Et puis bon, derrière, ça a dérivé sur les compétitions NSS, les compétitions de club, et voilà, depuis, je suis un grand mordu de ça. Bon, alors, il paraît que tu es une machine au driver, que tu tapes très très fort, donc on va voir tous les deux celui qui tape le plus fort. On se fait un petit Shifumi pour Allez, voir qui commence. C'est parti, une manche, par contre. Hein? Une manche. Allez. Shifumi, 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 Shifumi. Allez. Je démarre. Ah, c'est une rouleuse, tu dois pouvoir faire mieux que ça, je pense. Allez, à toi. Ah, n'oublie pas que t'as le dos en compote en ce moment, alors vas-y doucement. C'est à gauche, ça. Bon, elle est pour moi, celle-là. Tu devais parler à quelqu'un qui joue pas et lui dire il faut absolument jouer au golf parce que le golf c'est génial. C'est génial pourquoi le golf? Ben déjà d'une, les cadres golfiques sont assez prestigieux et jolis. Il y a de la verdure, c'est joli, l'herbe est magnifique, bien tendue. C'est plaisant, on est dans la nature. Enfin, c'est un sport qui mérite d'être approfondi, d'être découvert par tout le monde parce que voilà, c'est encore très très discret pour certaines personnes et certaines personnes pensent que c'est inaccessible alors que c'est accessible à tout le monde. C'est quoi ton index? 19 et quelques. Mais bon, ça fait un petit moment. Ça sent le faux index. Ça fait un moment que j'ai pas fait de compétition. Je joue en scramble avec les amis l'été ou même la saison. Bon, alors je te propose, on joue le verre à boire sur 9 trous. Ouais. Et je te rends en stroke. Non, allez, on se le fait en match play. Ouais, il y a beaucoup de vent, on se le fait en match play sur 9 trous. Allez, c'est parti. Ça revient pas. Aïe. Bon allez, donnez. Bon mais Ben, les affaires sont simples. Tu mets le putt, on fait square. Aïe aïe. On va mettre un putt aujourd'hui. Bien joué. Comment tu te sens, toi, là, après une partie de golf? Très bien, relaxé, on oublie tout. Franchement, ça m'aide énormément dans le quotidien, même au niveau de mon rugby, comme je disais tout à l'heure, à arriver à switcher, à oublier voilà, les mauvais coups, les mauvaises actions sur le terrain. Sans mobiliser sur ce qu'on a à faire. Hein. À faire voilà. Ouais. Et puis voilà, c'est déstressant, ça aide dans la vie et dans le quotidien de tous les jours. Allez, on se fait un petit coach ice, hein, comme de tradition dans notre séquence. Filmé de face et de côté en même temps. Excellent mouvement de corps. Bonne intention au niveau des bras et des mains. Mais le tout est légèrement pollué par la position de ton grip de main droite. Hein, qu'on peut zoomer ici. Trop sous le manche. Et tu vois là la direction de ta main, ta paume de main droite, elle vise vers là.
en gros, quand tu es dessous. Donc ce qui veut dire que quand tu vas revenir dans la zone de frappe, elle va tourner pour reprendre sa position square. Tac, ici. Elle, ta main droite, elle tourne. Et donc, elle referme excessivement la phase de club. Ok. Donc l'idée, c'est de rien toucher à ton swing et d'essayer simplement par un peu plus de neutralité de la main droite. Je vais te montrer deux, trois exercices rigolos pour le faire. De rendre la phase de club plus cohérente avec ton mouvement du corps. Parce que c'est dommage d'avoir un aussi bon mouvement du corps, un mouvement des bras vraiment cohérent et d'avoir une phase de club comme ça qui t'embête. Okay. On y va, on va au practice ? Vas-y, prends ton grip de manière traditionnelle. Tu vois, si tu ouvres les doigts ici, si tu ouvres ta main, tu te rends compte que ta main, elle vise vers moi. Ce qui va expliquer qu'elle va se refermer dans la zone de frappe. Ce qu'on veut, c'est que ta main, ta paume de main, elle vise vers la cible et non pas vers moi. D'accord. Vers la cible, vers moi. D'accord ? De cette position de départ, main ouverte, tu vas refermer ton grip naturellement. Voilà. Ici, parfait. Et ici, ta paume de main droite vise beaucoup plus vers la cible et ça garantit une phase de club plus square pendant tout le démarrage du swing. Main gauche, paume de main droite en direction de la cible. Voilà, tu la tournes pas, tu la laisses en direction de la cible et tu enchaînes. Encore. Juste un petit truc pour checker au bout d'un moment si ça marche. Comme tu l'as vu au sommet de l'élan, avec ton grip fort, ta face était très fermée. Sans rien changer, il faut progressivement qu'on voit ta pointe de club un peu plus pointée vers le sol au sommet de l'élan. Et moins là. Voilà. Vas-y, monte à blanc une fois. Voilà, parfait. Plus ici et moins là. Plus ici et moins là. Allez. Voilà, fantastique. Merci, très content de mon élève. Merci beaucoup, coach. Merci. Bon, ben, man, merci d'avoir passé cette journée golf avec moi et avec l'Académie FFG. C'était bien sympa ce petit match. Ouais, hein, très bon, cool. Encore merci, t'es content. Je prendrai ma revanche. Ouais. Et puis, puis j'espère que ce petit travail sur le grip va porter ses fruits. Ouais. Hein, tu vas taper plus de coups droits, ouais. Bénéficier de toute ta puissance et être efficace. Et puis j'espère qu'on se recroise bientôt sur les fairways. Avec grand plaisir, ouais. Je vais pouvoir mettre ça à l'œuvre tout à l'heure. Et les potes, merci à toi en tout cas, c'était bien sympa ce petit après-midi malgré les conditions venteuses. Bon, on a fait ce qu'on pouvait. On joue par toutes les conditions. Exactement. C'est ça, quand on est passionné, on joue tout le temps. Allez, on se retrouve le prochain mois. Salut. Au revoir.